Salut tout le monde, moi espérer que nous en forme. Je veux dire, nous porter un sujet qui est vraiment intéressant. Dans le rubrique passé, nous t'ai parlé de ça déjà, mais je veux dire, nous rester plus sur le plan local. Dans le rubrique passé, nous t'ai parlé de monnaie, mais nous t'ai plus parlé de monnaie étrangère et origine côté monnaie associée. Alors je veux dire, nous venons parler de monnaie locale qui c'est good, que nous tout connaissons et nous tout observons avec elle. Alors nous parlons un peu de good là. Avant tout, laissez-moi saluer et prendre le temps pour me dire merci le fait que vous abonnez avec Chanel là ou toujours quitter un commentaire pour nous pour encourager nous dans le travail ça que nous-mêmes n'a fait. Ou même qui peut faire ça, n'a encouragé toujours abonner pour YouTube qui a une notification après que nous-mêmes nous finissons partager une vidéo ensemble avec vous. Good là que nous tous connaissons qui c'est monnaie locale nous. Avec nous servir, avec nous faire presque tout ça nous besoin sur le plan local. Bien que de nos jours et dollar américain qui a valé terrain, bien que de nos jours tout en pile magasin sous pas gain dollar yo pas vend nous. Mais good là était pièce monnaie nous, good là était monnaie locale nous, good là était l'argent que nous-mêmes nous tous nous besoin pour nous servir. Alors nous parlons un peu de origine ou même qui pas connaît vraiment qui côté good la sorti ou même trou qui sont jeunes et même j'ai avec moi mais qui pas vraiment gagnent idéologie de avant goodland qui ça on a servi et avant goodland comment et en sens cette nous yo et grand-parents nous yo comment ils ont utilisé goodland et avant goodland lui-même t'es gagné. Et l'autre pièce monnaie c'est Avel que grand-parents nous yo même été conservé dans le temps ancien dans l'année 80 et c'est avec lui-même yo été conservé. Alors qui ça dit? C'est ça yo monnaie et les centimes. Bon là kay pa nous ici nous pas vraiment utilisé centimes là. Dans l'année 80 centimes là c'est Avel yo été conservé même avant que billet monnaie lui-même li vienne exister avant même que billet lui-même li vienne à la mode. Je te conservé avec pièce monnaie. Dans l'année 1881, il existait 1 centime, 2 centimes, 10, 20, même à 50 centimes. C'est avec lui que grands-parents nous yo même yo te conservé. Comme Haïti son pays qui pas vraiment partagé et richesse li avec l'autre pays dans le sens comme c'est pas gagné aller tout fait qui pas vraiment consacré l'exportation, ça veut dire nous pas vraiment gain bagaille là car nous pour nous vouer dans l'autre pays pour l'autre pays yo même yo ta besoin yo ta nécessité good là pour yo même les besoin venir acheter un bagaille là car nous pour ta venir acheter. Alors voilà car pas nous et économiquement dans production nous tout nous vraiment faible, nous vraiment faible. Alors c'est une raison qui fait good là lui-même li a tout pisi. Dans l'année 81, sentiment c'est Avel yo te conserver, c'est lui même yo te kon utiliser pour vacuer avec activité au marchand yo, commerçant yo, entrepreneur yo, c'est avec sentiment qui yo même yo te kon utiliser juste avant que dans l'année 1889, yo vin ajouter 5 centimes sous centimes là. Centimes là que nous même et nous ka konnen nan nos centimes là, mais longtemps grand-parents nous te gen tendance relil 1 cob, 2 cob, 20 cob, 50 cob. Et c'est comme ça yo même yo te connre l'île mais journée jodi an pièce monnaie ça yo vinn pas exister, nous vinn pas vraiment connait yo et génération jodi an yo vraiment pas gagnon idée de sacrer un cob de cob là. Alors en 1995 cob ça yo vinn commencer à effacer petit à petit malgré et de nos jours ou capable toujours joindre un cob de cob mais qui vraiment rare et comme ça tout qui vinn pas exister sur marché a. Quand y a souda l'acheter comme si vraiment qu'on 50 centimes ou 20 centimes, ou a toujours pas joindre ça comme si ou a toujours joindre monyo pas ka bon monnaie ça parce que monnaie ça journée jodi an livin pas exister encore. Alors livin réduit dans 50 centimes, yon goud 5 goud c'est yo même kounya qui vinn à la mode, c'est yo même qui sou marché haïtien là. Goud, piastre, zoreille bourrique, monnaie haïtienne te gen différents types de noms dans le temps ancien, juste avant même que kounya zoreille bourrique là vinn pas exister, même piastre là encore tout lui-même vinn pas exister, kounya nous vinn presque kembe goud là et nous gen tendance tout dit le dollar, but yon moun comme si ki ka gon 20 ou 20 ou 100 goud, yo plus gen tendance employé dollar au lieu que yo employé goud. Pourtant dans le temps ancien, goud et dollar pas gain aucune importance. Dans le temps ancien, ou t'as besoin seulement 5 goud pour gagner 1 dollar. Alors, dollar américain dans l'année 2019, c'est une bagaille comme si haïtien vient subi. Dollar vient monter dans un niveau qui vraiment extrême. Goud là qui sort dans un mot espagnol qui c'est goudo, billet a pas vient faire première apparition sous Jean-Pierre Boyer. De là,
sentiment nan vin vraiment pa gen valeur encore. Et c'est de là tout, nous pral vin connait yon goud, deux goud et cinq goud, 10 goud ainsi de suite. Cependant, peuple la pas vraiment accepté billet parce que yo même yo était plus à l'aise avec pièce monnaie et billet à tout en pile moun te kon et copier te kon gen pile faux nan billet. Alors c'est une raison qui fait machin yo pas vraiment kon utiliser billet, te préféré utiliser pièce monnaie plutôt. Dans le temps ancien, goud lan te vraiment gen yon valeur surprenante, te vraiment gen yon valeur extravagant. C'est pas que l'autre nation t'a besoin goud lan comme si c'est pas que goud lan t'a qu'on voyager à l'un différents types de pays, même genre dollar fait là, même genre l'autre monnaie fait, mais l'été gagne une valeur dans yeux haïtien le fait que ou t'a besoin seulement 5 goud pour te gagner 1 dollar américain. Alors longtemps nous pas depuis longtemps nous pas vraiment qu'on produit comme si pour l'autre pays t'es qu'à venir acheter la caille nous pour nous t'es qu'à comme si faire marché avec l'autre pays, c'est nous même depuis longtemps que t'es toujours qu'on a acheté dans l'autre pays, mais goud lan t'es toujours gain valeur dans les citoyens parce que monnaie américaine avec monnaie dominicaine n'est pas vraiment cher, nous t'es besoin seulement 5 goud pour nous t'es gain 1 dollar américain j'aime dire nous. Alors en 19e siècle sous l'occupation, billet ça pral vin perdu valeur le fait que yo te kon copier trop. Machin yo pral vin réadapter yo, moun yo va vin réadapter yo avec pièce monnaie parce que yo te kon copier billet en trop. Une raison qui fait billet lui-même li vin commencer à vin perdu valeur. Et billet vient goud lan lui-même li vin commencer à effacer dans mémoire moun yo parce que yo vin pas utiliser du tout encore. En 1995, yo vin commencer par fabriquer billet en goud de goud lan encore qui vin passer dans une pièce de pièce monnaie. Alors en 1980 à 2000, il y a un pile d'autres billets qui viennent commencer à effacer et puis ne pas faire billet ça encore tant que billet goudlan, billet de goudlan, billet 5 goudlan, billet ça nous viennent commencer par ouais encore, nous viennent commencer par fabriquer encore. Alors de 1980 à 2000, nous viennent commencer par ouais ancien billet encore tant que billet en goud, billet de goud, nous viennent pas faire encore qui viennent passer en pièce de monnaie. Alors de là, nous viennent ajouter sous chiffre billet yo. Et nous kawè de 1980 à 2000, yo vinn augmenter chiffre lan, yo vinn mettre 250 goud sous billet a qui fait qu'on y a billet goud lan, billet de goud lan, li vinn passer avec monnaie pièce et de là yo vinn commencer à augmenter chiffre billet a qui passe qu'on y a à 250 goud. Alors de là 20 goud lan li même sous l'occupation américaine qui vinn entrer, nous vinn pawel encore juste là, yo vinn tourner avec billet 20 goud lan mais avec tête tout sans ouverture sous lui, c'est là nous pral vinn commencer faire connaissance avec nouveau billet 20 goud lan. Yo vinn changer et ajouter quelques chiffres sous monnaie à 250 goud lan qui vinn ajouter et de là nous pral wè 500 goud vinn ajouter dans monnaie haïtienne nan. Alors le 25 août 2005 dans une activité qui t'a fait dans Ritzkinam, Banque centrale t'a pral vinn présenter nous nouveau billet 1000 goud lan et c'est de là nous pral reconnaître nouveau billet 1000 goud lan qui c'est dernier billet haïtien nan qui était plus gros billet monnaie haïtienne nan et jusqu'à nos jours Banque centrale pour que jambes sortir un nouveau billet pour surpasser, pour devancer billet 1000 goud lan qui c'est billet Hippolyte là. Est-ce que par hasard ou t'es quand on est un centime de centime ou bien Jean ancien parent nous t'es connu l'il un cob de cob. Sous t'es quand on est laissez-nous un commentaire. Sous que qu'on est tout nous t'as bien aimé ou laissez-nous un commentaire. Toujours été avec BK Haïti, yon façon pour capable toujours mettre à jour pour toujours chaque vidéo que nous-mêmes nous a partagé avec vous. C'est sûr que prochaine vidéo nous yo l'a toujours plus divertissant, ou toujours plus amusant là-dedans. Toujours été connecté avec page là, ou même qui fait ça déjà, n'a pas dit merci, ou même qui pour faire ça n'a encouragé abonner pour pas rater pièce vidéo que nous-mêmes n'a bien pour nous partager ensemble avec vous. Pas oublier c'était amis pour Paul Lukens, n'a plaisir, n'a plus ouais encore dans une prochaine vidéo.